Chaque semaine, on part à la rencontre d'une organisation qui contribue à une société meilleure. La Loterie Nationale, c'est bien plus que jouer. Je m'appelle Alexia, je suis chimiste. Je travaille au laboratoire peinture de l'IRPA. L'IRPA est là pour conserver et préserver le patrimoine belge. J'ai toujours aimé l'art. Quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petite, je disais que je voulais être restauratrice. Mais c'était très précis parce que c'était restauratrice de peinture murale. J'avais envie d'être en salopette avec un bandana et sur un échafaudage et restaurer. Finalement, j'ai troqué la salopette pour la blouse. J'ai quand même gardé cette volonté de sauvegarde. Et à quel point c'est important de sauvegarder, justement ? C'est important parce que le patrimoine, les œuvres d'art, ce sont des témoins d'histoire et l'art peut véhiculer des messages. En plus de ça, l'art, c'est un vecteur émotionnel. On a commencé le Challenge Patrimoine il y a 3 ans maintenant. Les musées, les églises peuvent proposer une œvre à restaurer. Il y a un comité scientifique qui choisit quelle œuvre. Et après cette sélection, il y a un vote du public. Et on peut aller sur le site de l'IRPA, Challenge Patrimoine, et le public peut voter pour son œuvre préférée. Et c'est aussi grâce aux joueurs de la Loterie Nationale que ce travail peut perdurer. Et ils ne doivent surtout pas oublier de voter pour le Challenge Patrimoine. Oui, tout à fait.